baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me less. But we ain't that complicated, and I ain't got no rest. On se motive, faut sortir du lit. Il y en a une qui commence à râler en bas. J'ai dépassé l'heure. Je sais pas si vous l'entendez. Mais ça veut dire allez, alors, réveille-toi. Et le pire, c'est que là, je vais descendre. Elle va s'installer, elle va dormir. C'est juste parce qu'elle en a marre d'être toute seule. En même temps, il est l'heure, hein. Je vais aller faire mon sport. Allez. On se retrouve en bas. Qu'est-ce que je disais? Hein? Que la mémère, une fois que je serais descendue, elle serait couchée, elle aurait dormi. Hein? Ouais, c'est de toi que je parle, là. Fais pas semblant. Non mais... De toute façon, il est l'heure de faire mon sport. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller me mettre en tenue. Et on va bouger son popotin. J'ai déjà fait mes cheveux. Parce que voilà, le matin, les cheveux frisés, on a une touffe comme ça. Voilà. Ça va partout, dans tous les sens. Ça y est, sport fait. Je me suis un petit peu apprêtée, on va dire. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit se laisser aller. Même si j'ai tendance aussi, comme je sais que je ne sortirai pas de toute façon... Qu'il n'y a pas d'urgence puisque tout le monde est confiné chez lui. Donc voilà, logiquement je devrais pas être appelée en urgence et devoir partir de chez moi en quatrième vitesse. Donc voilà, j'ai tendance aussi à... Mais non, hein. On a encore une superbe journée aujourd'hui avec un beau grand soleil. Là je suis en train de faire mon petit déjeuner. Alors je me suis fait un porridge avec de la noix de coco. Là c'est du skyr et je suis en train de me faire poêler des bananes. Alors pour avoir la petite couleur un peu caramel là, comme ça, sans utiliser de sucre normal, j'utilise de l'eau et puis du sirop d'agave en poudre. Vous voyez, je vous l'ai déjà fait montrer, la poudre de sirop d'agave. Et du coup, là, je fais réduire un tout petit peu, ça va me faire un semblant de caramel. Hop, et puis je vais verser ça là-dessus. Voilà. Allez, ah, le petit café du matin. Allez, je vais le faire couler. Et, ça, c'est le meilleur de la journée, celui du matin. Alors voilà, donc avec les petites bananes et puis comme je vous ai dit, en fait c'est juste du sirop d'agave dilué dans un petit peu d'eau. Ça fait comme un petit caramel. Ça sent bon et ça donne faim. Après, il faut aimer la banane cuite. Je sais qu'on est beaucoup à ne pas trop aimer la banane cuite. Voilà. Allez. J'ai réveillé les enfants, mais ils n'ont pas l'air de vouloir descendre. Hein? Je vais aller manger et ensuite on parle de ce qu'on va manger justement aujourd'hui, les repas. 1/2 de descendu. Allez. Alors j'ai déjeuné et là je vais attaquer mes routines, etc. Et puis au niveau de la zone, enfin mes routines, blessing, c'est les fleurs comme tous les mercredis. Et au niveau de la zone, ben en fait, c'est l'étagère de mon entrée. J'ai l'étagère qui est en hauteur, tout en haut, en fait, au niveau de mon plafond. Je vous l'ai déjà montré, en fait, hein, avec deux gros bacs en aluminium que j'avais acheté à Ikea. Je vais vous montrer. Je vais
On va y aller. Oui, donc c'est pas une étagère que je fais à chaque fois parce qu'il faut que je monte sur une chaise, il faut que je descende ces gros bacs et ils sont lourds parce qu'en fait c'est les bacs qui me servent. Alors j'ai pas remis mon canapé. Je bouge en fait le canapé quand je fais mon sport le matin pour avoir un peu plus d'espace. Et voilà, j'ai oublié de le remettre. Hop. Donc du coup voilà, j'ai ici une étagère, alors vous voyez elle est très haute dans le au plafond, et en fait j'ai deux gros bacs comme ça, là et là, en alu que j'avais acheté à Ikea. Alors ils sont très pratiques hein, ces bacs, parce qu'on peut en mettre énormément, et en fait moi je m'en sers pour mettre, vous voyez, tout ce qui est écharpe, bonnet, les manteaux d'hiver, enfin voilà, pour gagner un petit peu de place en haut. Je peux pas tout mettre les manteaux d'hiver hein, mais il y en a certains qui rentrent, et là en fait il y a tous les vestes d'été, enfin voilà, les trucs comme ça. Et ils sont quand même lourds à porter. Donc du coup je les enlève pas à chaque fois parce qu'il faut monter sur une chaise comme je vous dis. Faut porter, soulever, enfin bref. Donc du coup souvent je demande à Greg de me donner un coup de main pour les faire. Et du coup là c'est ce que je vais faire. Je vais tout enlever, bien épousseter et tout. Voilà, pour au niveau de la zone. Et puis au niveau de rien. J'ai tout dit. Au niveau du repas, ce midi, on va faire du poulet, non, c'est ce soir le poulet. Du saumon. Je me suis trompée de jour en fait. Je viens de m'apercevoir que je me suis trompée de jour dans mes recettes. Bon, bah, c'est pas grave. En fait, j'ai sorti la viande pour le jeudi, alors qu'aujourd'hui on est mercredi. Ouais, c'est pas grave. On inversera. Donc du coup aujourd'hui vous allez avoir les recettes qui sont écrites jeudi sur le menu, mais c'est pas grave. Donc du coup j'ai prévu de faire du saumon laqué, sésame et soja avec des brocolis et du riz jaune pour ce midi. Et ce soir, cassolette de poulet façon cordon bleu avec une salade César. Ouais, je suis complètement perdue moi, le fait que j'ai pu mes repères avec l'école, ça me fait un peu cette ambiance de vacances en fait, entre guillemets. Vous voyez, quand on sait plus au bout de quelques jours les jours où on est, mais en même temps... encore pire parce que là on a un peu l'impression que la vie est en suspens quoi, en fait. Le fait que voilà, il n'y a plus du tout de repères, il n'y a plus de foot, il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, je suis perdue dans mes jours de semaine. Heureusement Greg continue à travailler, donc du coup je sais encore la différence entre la semaine et le week-end. Enfin il continue à travailler. Ça, petit parenthèse en fait, ça m'inquiète un petit peu quand même hein, pour tout vous avouer qu'il continue à travailler. Mais bon, je sais que c'est... c'est pour le bien aussi de l'État en fait, on va dire, et qu'il faut qu'il y ait des personnes qui continuent à travailler. Alors après moi j'ai énormément de chance, il continue à travailler, mais il n'est pas en milieu médical ou quoi que ce soit, parce que enfin voilà, j'imagine ceux qui sont en contact, enfin Greg est en contact avec des personnes, mais c'est toujours les mêmes personnes quoi en fait, vous voyez, c'est pas comme mettons ben, ceux qui sont en milieu médical qui sont complètement face à ce aux malades quoi en fait. Donc voilà, je l'ai voilà, enfin je sais pas quoi dire hein, mais franchement, enfin déjà je leur dis merci parce qu'heureusement qu'ils continuent à travailler, parce que Greg me disait qu'il y en avait beaucoup qui arrêtaient de travailler en fait hein. Je peux le comprendre hein, on a peur, mais voilà, si tout le monde arrête de travailler, je pense que on sera vraiment dans la mouise à la fin de ce confinement quoi en fait. Il faut qu'il y ait des personnes qui continuent à travailler, et puis il y en a qui n'ont pas le choix, comme ceux qui sont dans le milieu médical. Enfin je pense que ça fait partie de leur conscience professionnelle en fait, de ne pas s'arrêter. Et pour ça je leur dis merci, parce que on sait jamais, on pourrait avoir besoin d'eux nous aussi, même si voilà hein. Mais voilà, donc ça, et puis aussi les personnes qui sont en autre que dans le milieu médical, mais ceux qui travaillent dans les supermarchés, les machins et tout. Heureusement aussi que ces gens-là travaillent aussi, parce qu'autrement on pourrait plus se nourrir. Et eux aussi sont en contact direct avec les gens, quoi. En fait, tous les jours, ils voient d'autres personnes. Alors moi, Greg, comme je vous dis, ça m'inquiète un petit peu, parce qu'il sort de la maison, il voit d'autres personnes, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes personnes qu'il voit. Donc ça réduit les risques, vous voyez, par rapport à ces personnes qui sont travaillant dans les commerces, ou les personnes qui sont en milieu médical, qui eux sont... trois fois plus. Alors je sais que vous êtes beaucoup à être maman d'enfants qui travaillent, ou avoir des personnes de votre entourage qui travaillent dans le milieu médical. Je vous souhaite plein de courage à vous, parce que je vous imagine que ça doit être très très compliqué à gérer et très très dur. Bref, parenthèse fermée, maintenant on passe à des choses beaucoup plus
gay. Alors j'essaye, hein, j'évite d'en parler. Pas parce que ça me touche pas et tout, c'est parce que j'essaye de me changer les idées à moi, de vous changer les idées à vous. Mais voilà, ça me touche quand même, hein, tout ce qui est info, tout ce qui passe aux infos, machin et tout, tout ça me touche. Mais voilà, j'essaye de faire un pass. Et puis pour mon bien-être aussi, parce que je me dis que si je fais que ça d'en parler, ça va me... Alors j'en parle forcément, je parle du confinement, des choses comme ça, mais j'évite de parler de la propagation du virus. Je regarde les infos comme tout le monde, hein, mais voilà. J'essaye de... Je me mets pas des œillères parce que je le sais ce qui se passe. Mais voilà, j'essaye de me consacrer sur le positif qui se passe en ce moment. Le fait qu'on est tous en famille, tous en bonne santé, que tout va bien. Et puis qu'on nous donne du temps. Le temps qu'on a aussi à profiter de nous et tout. Voilà, j'essaye de relativiser et de... Parce qu'autrement, je pense que... Voilà. Hein ? Allez, on va s'y mettre. Hein ? Alors petit truc aussi, je sais que c'est pas une période facile pour beaucoup d'entre vous, le confinement. C'est compliqué d'être enfermé dans sa maison, surtout quand on n'a pas l'habitude. Alors comme je vous ai dit il y a quelques vlogs, moi je le vis super bien parce que c'est une chose que j'ai l'habitude en fait. J'ai l'habitude d'être à la maison, vous savez que je suis très casanière quand même, j'aime être chez moi. Et en fait je pense qu'à la force d'être à la maison... on se crée des habitudes, vous voyez. Alors moi ça me fait rien parce que j'ai ces habitudes qui ont été créées. Et vous voyez, c'est comme les enfants qui sont en ce moment confrontés à l'école à la maison. Ceux qui ont l'habitude de tout ça, ils passent, voilà, pour eux ça leur fait rien quoi en fait. Par contre pour les miens qui n'ont pas l'habitude de l'école à la maison, c'est un peu chamboulement, quoi qu'ils s'adaptent de mieux en mieux. Et voilà, c'est cool. Donc moi c'est un peu la même chose avec le confinement. J'ai tellement l'habitude d'être à la maison que j'ai tellement des routines et des choses à faire que je m'ennuie pas, mes journées passent super vite. Et le soir j'ai même eu l'impression que ma journée a été pas assez longue quoi, comme d'habitude que j'ai pas eu assez de temps. En fait ce qu'il y a, c'est qu'il faut vous occuper pendant le confinement. Ne vous occupez l'esprit, vous occupez les bras, le corps, enfin voilà, pour éviter justement de penser à tout ce qui se passe et puis éviter d'avoir le temps trop long. Alors trouvez-vous des occupations, des petits hobbies. Alors bien sûr il y a le ménage de printemps à faire en ce moment, mais bon vous n'avez pas passé votre temps à faire le ménage parce que autrement voilà. Alors je sais que moi ma passion entre guillemets, ce que j'aime faire, c'est la cuisine, donc je cuisine. Mais il y a plein d'autres choses quoi en fait. Après faites du sport, profitez pour un peu de danse, un peu de voilà, prenez du temps pour vous, un bon bain ou une bonne douche chaude, mettez des masques, des machins, voilà. Il faut vraiment vous occuper parce que autrement vous allez virer fou, ça c'est sûr. Donc voilà, trouvez-vous des occupations, c'est le temps de vous mettre au dessin, des coloriages, enfin voilà. Après je sais, comme moi j'adore les travaux manuels, et malheureusement là avec tous les magasins qui sont fermés, ben je ne peux pas, enfin voilà, j'ai pas assez de matériel, il va tout le temps me manquer quelque chose pour fabriquer quelque chose, donc du coup je ne peux pas trop me mettre dans tout ça. Mais voilà, celui qui a du matériel chez lui, voilà, occupez-vous les mains, l'esprit, c'est la meilleure façon de passer ce confinement quoi en fait. Et évitez, je pense le tort aussi qu'on a, c'est qu'on se dit, ah ça y est, je vais pouvoir me poser, je vais me poser dans le canapé et je vais me mettre avec un doudou, vous voyez, une couverture et regarder la télé. Mais je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de devenir complètement fou et de mal le vivre. Parce qu'en fait, se mettre en mode cocooning comme ça, c'est très bien un jour, deux jours, trois jours. Mais arrive un moment où on a l'impression qu'on ne sert plus à rien, qu'on n'a plus de but en fait. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais à la force d'être même s'habiller, ne pas se maquiller, enfin voilà, tout ça, de se mettre à la force, ben, ça joue sur le moral, vous voyez, d'être tout le temps... C'est très bien le week-end, quand on a passé une semaine où on est bien, speed, machin et tout, mais tout le temps, non, arrive un moment, je pense vraiment qu'on doit... Faut vraiment s'occuper, quoi, en fait. Trouvez-vous des occupations, ne passez pas votre journée devant la télé avec couverture, parce que c'est le meilleur moyen de... Voilà. Et de mal le vivre. Occupez-vous, trouvez-vous des mettez-vous des objectifs, faites-vous des to-do list, voilà. Occupez-vous l'esprit et les mains. C'est la meilleure façon de passer correctement ce confinement. Petit conseil. Bon, allez, moi j'y vais, du coup, je vais aller m'occuper. Et puis, ensuite, je vais aller voir pour réveiller, secouer un petit peu mon fiston, là, qui a du mal à sortir du lit. Hein? Ils sont tous levés, ils ont tous habillé, ils sont tous en train de faire leurs devoirs. Moi, j'ai fait mes routines, j'ai ma cuisine qui est rangée et tout et tout. Là, Angèle est en train de s'inscrire, du coup, sur le Cyclades, c'est pour ses vœux de l'année prochaine.
Maintenant, tout se fait par internet, donc il faut être calé et puis avoir de quoi, parce que là, du coup, ils peuvent pas s'inscrire, même ça. J'imagine ceux qui n'ont pas de PC, qui n'ont pas accès à internet, ce qui arrive encore régulièrement, et ben, je sais pas comment ils vont faire pour inscrire leur loulou pour l'année prochaine, parce que bon, tant qu'il y avait l'école, ils pouvaient le faire à l'école, et là en fait les vœux sur le Cyclades, ils ont jusque fin mars pour le faire, et ils n'ont pas pour l'instant prolongé cette date, donc il faut vraiment que ça soit fait pour cette semaine. Donc voilà, celui qui n'a pas accès, qui est en confinement, alors j'espère vraiment, parce que je sais pas, hein, après est-ce que c'est moi qui a ne passer une info ou quoi qui est pas, mais j'ai pas l'impression qu'ils nous parlent du bac, des examens et tout ça, enfin des inscriptions, tout ça, j'ai pas l'impression qu'ils en tiennent, enfin qu'ils font attention à tout ça en fait. C'est vrai que c'est pas une priorité du moment, mais ce qu'il y a, c'est que pour nos loulous, c'est leur priorité du moment, quoi, en fait. Le fait qu'ils soient scolarisés à la maison, mais il y a plein de choses que j'ai l'impression qu'on met de côté, mais que là ça devient échéance, quoi, en fait. Je vous dis, on avait jusque fin mars pour le Cyclades. Celui qui a pas de PC, qui a pas de truc, il est un petit peu dans la mouise, hein. Et on sait pas, du coup. Alors là, voilà. Bon, donc du coup, Angel est en train de faire ça. Donc si vos loulous ont l'âge Angel qui sont en première, n'oubliez pas. En fait, c'est pour les inscriptions, pour les épreuves anticipées du baccalauréat avec la réforme, en fait. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous avez jusque fin mars pour le faire. Allez, alors après je sais pas si on n'a pas de PC, comment ça se passe. Contactez peut-être le professeur principal ou quoi, si vous pouvez les contacter, ou le lycée ou quoi, pour savoir ce qui doit être fait. Alors nous c'est la prof principale d'Angèle qui nous a dit de ne pas oublier de le faire, mais je sais pas comment on fait si on n'a pas de PC. Franchement, il y a plein de petits trucs qui se rajoutent au confinement et qui sont un petit peu stressants pour nous mamans, quoi, en fait, enfin nous parents et nos étudiants, quoi, en fait. Allez, bref. Je vais préparer pour le poisson, parce qu'elle s'en demande rien, il est déjà 11h, même passé. Donc on va préparer notre poisson mariné soja, miel et sésame. Alors, on va préparer la petite marinade du coup pour le saumon. Alors on va avoir besoin d'une cuillère à café d'huile de sésame, une cuillère à soupe de miel. Alors moi j'utilise du miel d'acacia parce que je trouve que le goût est beaucoup plus neutre que le goût, enfin que le miel quand vous voyez la cuisson du miel, et au moins il y a un goût fort, et Greg n'aime pas trop ça. Alors que le miel d'acacia, il n'y a pas du tout ça, et en plus il y a un IGBA. Donc voilà. Donc du coup, miel d'acacia pour moi, vous pouvez utiliser un autre miel liquide hein, si vous le souhaitez. Ensuite une cuillère à café de graines de sésame, mais ça on va en avoir besoin mais après, au niveau de la cuisson, c'est pas pour la marinade. On va avoir besoin d'une cuillère à café de jus de citron, et puis de la sauce soja, on va mettre 2 cuillères à soupe. Alors on va mélanger du coup l'huile de sésame, le miel, le jus de citron et la sauce soja. Alors je mets pas de sel, pas de poivre, parce que la sauce soja ça va aromatiser ça va déjà saler le poisson, et peut-être qu'à la fin je mettrai un petit peu de moulin avec un petit peu de piment ou un truc comme ça pour corser un tout petit peu le truc, des flocons de piment ou quoi. Mais ça sera à l'assiette et ça remplacera du coup le poivre. Voilà, je mélange ça et ensuite on met ça dans un plat creux pour faire mariner un petit peu le poisson. J'ai fait mon petit mélange donc de marinade. On mélange bien pour bien faire dissoudre le miel. Pouf, en évitant d'en mettre partout, Sandra. Et on va venir en arroser du coup, hop, notre saumon, et on va le faire mariner comme ça une petite heure, et en le retournant entre deux, voilà, pour qu'il il s'imprègne mieux bien. Voilà. Alors moi avec le saumon, ce que je vais servir c'est des brocolis vapeur, parce qu'on adore les brocolis vapeur, et puis c'est vraiment une façon de manger les brocolis qui nous, voilà, qu'on aime, juste nature comme ça, mais vous voyez, pas trop cuit, encore un petit peu. Hop, et puis je vais faire un riz jaune, ce que j'appelle un riz jaune, donc c'est comme un riz piaf qui est cuit, mais dans un bouillon avec du curcuma dedans. Voilà. Et je vais me refaire un petit café. Ça va, Stacy? Ils prennent leur rythme, je suis super contente, hein. Ça me soulage, mais ouf, ça m'a enlevé d'un poids. Je vous ai dit hein, que c'était ma plus grosse crainte, en fait, c'était la scolarité de mes loulous dans ce confinement. Et en fait, quand ils prennent un rythme nickel, et voilà, ils arrivent bien à suivre et tout, donc ça me rassure un petit peu. Je pense qu'il y aura quand même du retard, hein, faut pas se leurrer, c'est pas pareil qu'un cours qui suivrait avec un prof, quoi, en fait, je pense. Mais et puis je pense aussi que
les cours qu'il y a sur le CNED, parce que Stacy fait les cours que ses profs envoient et fait le CNED en plus. Je sais pas si le CNED, enfin je pense que si, hein. Dites-moi, tiens, celles qui suivent, est-ce que c'est exactement le même programme qu'ils font en cours, ou est-ce que... parce que là, je sais... Enfin, vous voyez, je me demande si c'est vraiment le CNED qu'on a droit à nous, si c'est vraiment le CNED que les enfants qui suivent le CNED d'habitude, vous voyez, la scolarité à la maison, ont, ou si c'est juste comme du soutien, voilà, qu'on a le droit, quoi, en fait, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je me demande si les cours que Stacy a droit au CNED, puisque c'est un lien qu'on a eu gratuitement par le collège, si c'est pas comme du soutien, plutôt que vraiment classe à la maison et du cours, comme ceux qui font le CNED et qui ont l'habitude de faire. Voilà. Mais bon, en tout cas, elle fait le CNED, elle fait ça, elle arrive bien à suivre. Donc je me dis, le retard, il sera sûrement là. Faut pas se leurrer, mais il y en aura beaucoup moins. Et du coup, ça me rassure. C'est déjà un point en moins dans ma petite vie de maman. Allez. Hop. En fait, les craintes que j'avais au début de ce confinement, je parle beaucoup là aujourd'hui de ça, hein. Je suis désolée pour celle, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait les choses se mettent en place et que ça me rassure énormément et que du coup je pense que ça aide aussi à vivre ce confinement sereinement. En fait, moi, mes craintes au tout début, c'était la scolarité de mes loulous, et quand je voyais les gens qui faisaient un plein pas possible et que du coup je me disais mais moi j'ai pas de stock, comment je vais faire pour nourrir ma famille, c'était une des craintes aussi que j'avais, de voir ces gens qui viraient fou, on va dire, à faire du stock de PQ, à faire du stock de pâtes et tout. Et là, voilà, le fait que tout ça se débloque, et ben je vis mon confinement beaucoup plus sereinement, voilà, et beaucoup mieux. Et je pense que c'est ça aussi que je le vis bien aussi, ce confinement. Voilà. Allez, je vais m'occuper maintenant de mon riz. Stacy qui me dit, maman, ça va aller le niveau 5e pour, pour en anglais? Parce que hier, je vous ai dit qu'avec l'anglais d'Angela, c'était pas la peine. Fallait demander à papa. Mais là, ça va, j'ai réussi. En plus, c'était à l'écrit, c'est toujours plus simple. Il y a le traducteur au cas où il y a un mot qui bug. Alors, je suis en train de faire mon riz. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Mais vous allez voir, c'est très simple, hein. Je fais une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai mis la moitié d'un oignon parce que mes oignons sont vraiment très très gros. Je les fais un petit peu revenir. J'ajoute du riz. Alors moi, c'est du riz complet. Hop, je le fais légèrement devenir translucide. Vous voyez, enfin je le nacre avec... je l'enrobe bien avec l'huile, quoi, en fait. Hop. Et là, je vais compter... 3 fois le volume d'eau en riz. Donc comme là ça arrive à 33, donc je vais mettre 3 fois 33 en eau et je vais rajouter du bouillon de légumes. Et ensuite j'ajoute une cuillère à café de curcuma, je mélange, je mets le couvercle et je laisse cuire jusqu'à absorption complète du liquide, quoi, en fait. Voilà. Alors, je rajoute pas de sel ni de poivre parce que il y a le bouillon, donc s'il faut je rajouterai un peu de sel à la fin de la cuisson. Là je vais refaire partir du coup à ébullition parce que j'ai pas mis de l'eau chaude, j'aurais dû, de l'eau bouillante, mais je vais faire repartir à ébullition et ensuite je mets le couvercle et je, comme je vous ai dit, je laisse cuire jusqu'à absorption. Donc voilà mon riz jaune. Mon poisson, ça fait une bonne heure là qui marine, donc je vais pouvoir le faire cuire. J'ai mis ma poêle en préchauffage, alors je vais pas mettre d'huile dedans puisqu'il y a déjà de l'huile de sésame. Donc on va prendre le poisson, on va l'égoutter, on va dire brièvement, hop, voilà. Et puis on le pose du coup côté peau une première fois. On le fait cuire 4-5 minutes. On le retourne. Et on le refait cuire 4-5 minutes de l'autre côté. Alors on garde la marinade parce qu'on va la mettre ensuite en fin de cuisson. Avec les graines de sésame. Voilà. Alors une fois que le poisson cuit... et qu'il commence à caraméliser, on va ajouter la cuillère à café de graines de sésame sur le dessus. Alors moi c'est un mélange de blanche et de noir, mais vous pouvez mettre que des blanches ou que des noires si vous voulez. Hop, donc on répartit un petit peu partout. Et puis on va ajouter le restant de marinade. Un tout petit peu sur le dessus. Et dans la poêle, voilà, on va retourner le poisson pour que les graines se caramélisent un petit peu aussi. Alors là, la sauce, elle va caraméliser avec le miel qui est à l'intérieur, donc ça va aider
à faire griller un tout petit peu les graines de sésame. Hop, donc je vais retourner délicatement. Voilà. Alors j'ai baissé le feu pour pas que le caramel devienne âcre du miel. Voilà, on veut pas que ça soit, vous voyez, amer. On va manger. Je vais vous montrer mon assiette. Greg ne devrait plus tarder à arriver. Alors j'étais en train de vous parler sur Insta en même temps, donc je suis un petit peu perdue. J'ai un peu perdu le fil. Voilà, donc hop. Le saumon, voilà ce que ça donne. Du coup, caramélisé avec les graines de sésame, le riz jaune et les petits brocolis. Une assiette pleine de couleurs. Voilà, pour donner un petit peu de gaieté dans notre vie en ce moment. Hop. Allez, on va manger. Je vais servir l'assiette à papa aussi, il va arriver. À table. Ils ont tous les deux fini leur devoir. Angel, par contre, sa prof lui a répondu pour le... C'est quoi, Angel, le nom du site déjà? Le Cyclade, c'est ça? Il fallait attendre, ils attendaient là au niveau du rectorat et tout. Voir parce que je sais pas, il y a un souci dessus. Enfin bref. Ah, allez. Oh là là, Stécie est en train de me faire un carnage avec le saumon. Attends, je vais te servir. Petit café de l'après-midi, je vais aller mettre la vidéo en ligne et répondre à vos commentaires. Greg est en train de faire la sieste. Ce matin, il y a Luna qui est venue nous réveiller à 2h du matin. Mais comme il s'est réveillé à 3, ça a été dur après pour se rendormir. En fait, elle a pris l'habitude de venir le réveiller le matin à 3h. Alors, c'est elle qui lui sert de réveil le matin. Souvent, elle arrive comme avant-hier. Elle a réveillé, était moins 10. Et puis, elle lui fait des câlins. Elle se frotte contre sa barbe. Je sais pas, son pseudo. Son début de barbe. Et elle lui fait des câlins. Et elle ronronne et tout. Un réveil agréable en soi. Mais quand c'est une heure avant... un peu moins agréable. Donc oui, donc du coup il est une heure en moins de sommeil quand on se réveille à 3h du matin. Hein, bon allez, donc du coup il fait la sieste, moi je vais aller bosser, je vais aller répondre un petit peu comme je vous ai dit aux commentaires, mettre la vidéo en ligne et puis moi je pense que ça va être une petite après-midi tranquille à la maison. J'ai rien de prévu cet après-midi, alors j'ai qu'une envie, c'est de cuisiner, de faire des gâteaux, des choses comme ça. Mais je me retiens. Je me retiens parce que les gâteaux que je fais, il faut les manger après. Voilà. Donc du coup, je me dis non, non, on ne cuisine pas trop. C'est dur. Je sais pas, vous êtes beaucoup là à me dire dans les commentaires que vous aussi, vous avez qu'une envie de grignoter. Mais en fait, c'est parce qu'on s'ennuie, je pense, et qu'on tourne en rond. Et du coup, ben voilà, on a tendance à aller mettre la main dans le frigo ou la main dans le placard. Et comme je vous dis, heureusement, je sais que c'est nous, il n'y a pas de paquet de gâteaux, de trucs comme ça en fait. Donc du coup, je suis moins tentée. Si je veux quelque chose, si je veux un gâteau, il faut que je le fasse. Voilà. Donc du coup, je me retiens de le faire pour ne pas devoir le manger après. Allez, on va aller bosser. Message. Oui, pour donner des petites nouvelles de Kim, vous êtes beaucoup à me demander, ça se passe très très bien, ça va très bien, ils sont en pleine forme, on se téléphone, enfin elle me manque énormément hein, et je pense que c'est réciproque, ce qui est normal. Mais voilà, on se téléphone 2-3 par jour. Dès qu'elle s'ennuie ou quoi, elle me téléphone, puis je mets, voilà, on discute comme si qu'elle était en face de moi, quoi, en fait, de tout et de rien. Et puis avec Kimberly, c'est facile de discuter de tout et de rien, parce que quand elle commence à parler, je vous jure que elle s'arrête plus. Je me demande même de qui elle tient. Hein? Allez, je vais bosser. Il est 4h30. Il est l'heure de goûter. Et si comme moi, en ce moment, vous avez des grosses fringales de chocolat, parce qu'en plus d'être en confinement, je suis dans ma mauvaise période du mois. Donc du coup, les fringales de sucre, je les ai, je vous le dis. Voilà, petit truc. Bloc cake avec du cacao amer. Et le dessus là, vous voyez le truc chocolaté là, la mousse au dessus, c'est juste du skyr mélangé avec du cacao amer aussi, et un peu de sucre, voilà, histoire de satisfaire mon envie de sucrerie et de chocolat sans trop de dégâts. Alors je vous explique un peu ce que j'ai mis dans le bloc cake. J'ai mis 40 g de son d'avoine, un œuf, 45 ml de lait, un peu de, une cuillère à café de cacao amer, un peu de sucre. Enfin là moi j'ai mis
celui-là. Alors je trouve pas top. Je trouve qu'il sucre pas beaucoup en fait. On est obligé d'en mettre beaucoup pour pouvoir avoir ce goût sucré en fait. Voilà, donc je le rachèterai pas celui-là. Oui, j'ai mis ça. Et puis un peu de bica pour faire lever. Et c'est tout. Et demi, vous mélangez tout, vous mettez 2 minutes au micro-ondes et vous avez un gâteau au chocolat. Et pour la petite mousse au-dessus, c'est juste du skyr mélangé avec du cacao et un sucrant. Voilà. Et puis des petits fruits rouges pour faire passer le chocolat quand même. Je vous montre un petit peu la texture du gâteau. Et après ça, je vais aller faire un peu de marche sur mon tapis, juste pour déculpabiliser, même s'il n'y a pas besoin de culpabiliser avec ça, je vous le dis. Voilà, je suis montée, mettre mes chaussures et je vais faire un peu de tapis. Je ne vais pas me changer, ça ne sert à rien, de toute façon je vais juste marcher en pente, enfin un rythme soutenu. Souvent ça me fait quand même un petit peu suer, mais de toute façon je vais aller prendre ma douche après. Je vais allumer mon tapis, coucou. Et bœuf. Je voulais partager un truc avec vous. J'ai vu tout à l'heure en allant sur YouTube que Gym Direct, donc celui avec qui, enfin, il y a plusieurs présentateurs hein, sur Gym Direct, mais celui avec qui je fais la danse le matin, il a sorti une vidéo avec les enfants. Donc ça peut être cool pour les occuper pendant ce confinage. Ah, il y en a une de vous qui m'a dit que ça se disait, donc j'ai droit de le dire. Voilà. Donc si vous voulez les occuper pendant un petit peu ce confinement, voilà, c'est une bonne idée. Vous voulez faire du sport avec eux. En plus, je trouve que ce présentateur, enfin je sais pas, ce coach, je sais pas comment l'appeler, il a une pêche d'enfer. Il est toujours, on a l'impression qu'il est toujours de bonne humeur et puis il y a toujours le smile. Il est super agréable. Donc je me dis qu'avec des enfants, enfin j'ai pas été voir la vidéo, mais je me dis qu'avec des enfants, ça doit faire du tonnerre. En fait, ça doit être un bon moment à passer, que ça soit pour vous et pour eux, et puis ça leur fait leur dépenser, parce qu'en ce moment je m'imagine des petits bouts, les garder enfermés, ça doit pas être évident tous les jours, hein, parce que surtout quand c'est des loulous un peu comme du style d'Angel, vous voyez, hyperactifs un petit peu, qu'ils ont besoin de bouger, qui restent pas en place, ça doit être compliqué, hein. Donc voilà, une petite idée, je partage. Bon allez, je vais mettre mon tapis en route, là je suis en train de vous parler avec mon micro en fait de mon écouteur et j'ai l'impression que ça donne bien et que du coup vous aurez peut-être moins de bruit, vous voyez, d'extérieur. Allez, j'entends parler dehors, c'est pas normal ça, ils font quoi ces gens dehors? J'ai ma fenêtre ouverte en plus, les gens s'ils m'entendent ils vont me dire mais de quoi se mêle la voisine là. Allez, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train de le régler comme si je faisais une course là. Hein? Reprenons. Ah là 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 là. Oup, hop, 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 hop. On y va. Allez, on va marcher. Et après, on va aller faire à manger. Voilà. On y va, parti. Petite balade dans la nature avec la fenêtre ouverte. Enfin, dans la nature. Hein? On s'entend. Alors, chante. J'ai fini de marcher, je suis en train de faire le repas de ce soir. Donc ce soir c'est une cassolette de poulet façon cordon bleu. En fait c'est tous les ingrédients d'un cordon bleu au poulet, mais oh, je cherche le mot. En fait c'est le mot, il est dans la tête mais il n'arrive pas à sortir, vous voyez. Elle est oh là là, chérie, aide-moi, va. Déstructurée. Voilà. Waouh. Voilà, et du coup on remet tout ensemble dans le plat quoi en fait. Donc du coup on a du poulet, du jambon fumé ou des lardons si vous avez pas, de l'emmental, de la chapelure et une petite sauce blanche. Donc on prend des escalopes de poulet, on les coupe en morceaux, on les fait cuire à la poêle, voilà, on les fait dorer, on les verse dans un plat qui va au four. Ensuite on prend une casserole et on fait style sauce béchamel. Donc là c'est du lait avec de la farine ou de la maïzena. Vous faites épaissir, sel, poivre et on ajoute une belle poignée d'emmental. Tous les ingrédients sont sur la fiche recette, hein, la quantité et tout et tout et tout. Tout est en barre d'infos. Donc voilà. Ensuite hop, on a 100 g. Donc moi c'était des lardons, donc j'avais, donc d'habitude je mets du jambon cru en petit dé que je trouve en Belgique, mais là j'en avais pas, donc du coup ça sera des lardons fumés. Ensuite on a l'emmental et puis
la chapelure pour mettre sur le dessus. Donc là en fait on va tout assembler. Donc sur le poulet on va mettre le poulet qui est cuit. Je rappelle, on met les lardons. Hop. Ensuite on met le fromage. Donc en tout j'avais 70 g de fromage, 100 g de lardons, à peu près 400 g, enfin 4 escalopes de poulet. Au niveau de la béchamel, c'est 400 ml de lait, 20 g de maïzena ou de farine. Et voilà, c'est sel et poivre. Hop, donc le fromage. On verse la sauce sur le dessus. Hop. Et ensuite, on met la chapelure et c'est déjà fini. C'est pas trop cool. Alors, c'est quand même assez riche comme plat. Donc, même si... ça va, hein, mais voilà, et puis c'est assez bourratif avec la sauce béchamel et tout. Donc je vous conseille de faire ça avec une petite salade. Nous souvent c'est ce que je fais, ça nous convient très bien. Alors c'est une recette que je vous avais partagée, je pense même que c'est une vidéo qui est toute seule sur la chaîne. Au tout début où je faisais les recettes à part des vlogs. Hop, voilà. Et là ensuite on met la chapelure. Et il n'y a plus qu'à faire cuire. Bon, j'ai prévu peut-être un petit peu trop de chapelure. Ensuite, ça va au four, 180-200 degrés. Alors, tout est déjà cuit, donc c'est juste histoire de réchauffer, faire fondre le fromage et tout, et faire gratiner un petit peu le plat. Voilà, donc une vingtaine de minutes. On va passer à table, c'est cuit. Hop, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Hop. Voilà, en fait, l'intérieur, notre poulet, la petite sauce avec les lardons et tout et tout. Et avec ça, on mange... de la salade César et j'ai mis, il restait de la salade d'hier, j'avais pas assaisonné exprès. Donc s'il n'y a pas assez de salade César, il y a aussi cette salade aussi. Voilà. Allez, on va manger. 8h20, on a fini de manger, cuisine rangée. On était en train d'écouter notre président. Voilà. N'empêche, c'est impressionnant quand même hein, ce qu'ils ont mis en place dans le sud-ouest. Hein? Bon allez, je vais vous laisser moi, je vais aller finir de monter le vlog et prendre une bonne douche et puis me poser un petit peu sur le canapé. Je vais vous faire des gros bisous, je vais vous dire de prendre soin de vous, de rester chez vous bien au chaud. Greg qui encore une fois est à la télé. En fait, quand il veut la re-régler, comme il y a du tactile, en fait c'est une télé avec du tactile, à chaque fois il appuie sur le bouton. En ce moment tout l'embête, tout. Là il vient de dire quelque chose sur mon four en ce moment, voilà hein. Allez, moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous et prenez soin de vous. Bye, bisous. As long as I've been